come true. Yeah.
Mon son est revenu. C'est tout bon? C'est mon son est revenu. Bah alors je recommence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce coup-ci ça devrait être bon, vous devriez m'entendre. Salut les copains. J'espère que vous avez commencé un bon début de semaine. Et nous allons reprendre ce petit live là où nous avions été interrompus la semaine dernière avec notre petit Blood Bowl et la peinture de notre petit Griff Oberwald, de l'équipe des... enfin, le star player de l'équipe des nobles de l'Empire. Tac, celui-là. Celui qui tend le doigt, qui nous fait un joli stay in live. Alors, on a toujours les petites actions qui peuvent se déclencher, mon Bastien, avec les petits... Bastien va nous régler les petits... c'est pas slash, c'est point d'exclamation qui nous permettent d'activer les différentes caméras afin que vous puissiez voir différentes choses sur l'écran. Donc, ouais, je les ai rangés, je les ai coupés, je les ai rabotés de 20 cm. Je marche sur les moignons maintenant. Comme ça, plus de problème. Alors, on a le point d'exclamation cam et le point d'exclamation détail qui vous permettront du coup de switcher sur les deux modes d'affichage afin de me voir en grand ou de voir ce que je peins. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur notre Discord l'intégralité, la liste des produits que je vais utiliser pendant ce live. Donc tout ce qui est liste de peinture que je vous ai trié par recette et les différents pinceaux et autres produits qu'on peut utiliser. La semaine dernière, on avait donc commencé à faire l'or sur notre petit Griff. Je vais vous remontrer rapidement, resurvoler un petit peu ça pour qu'on puisse avancer sur les autres parties de la peinture. Alors, sur la figurine, là, sur le doré, on était parti, si vous vous rappelez, d'une base de Wildwood sur laquelle ensuite on avait brossé du Retributor Armor Gold, puis on avait passé un petit peu de Fire Slayer dans les creux pour venir redonner un peu de profondeur et de contraste à tout ça. Il nous restera du coup un petit éclairci à faire en Stormos Silver à droite à gauche pour finir ce doré. Ok ? Donc ça sera la première étape du live, et ensuite on passera du coup sur les tissus, les visages, les cuirs, et pour finir, on finira le petit oiseau avec les plumes, si on arrive à avoir le temps d'arriver jusque là. Voilà, voilà. Donc, la dernière fois, on avait fait un petit Appla Wildwood, brossage Retributor, et maintenant je vais vous remontrer du coup sur le casque que j'avais gardé de côté, puisque c'était un peu la fin du live, on avait un peu des coupures son, ça ne fonctionnait pas très bien. Du coup, je vais vous remontrer sur le casque l'application du Fire Slayer, qui nous permettra du coup d'avoir les petits ombrages qui vont bien dans les recoins. Voilà, c'est une recette qui est très efficace, qui va vite, et qui donne un or assez réaliste de manière assez rapide. Alors, on reprend comme d'hab notre Fire Slayer et notre contraste. Hein, le contraste et le Fire Slayer, c'est les deux trucs que vous allez avoir besoin le plus dans votre palette de peinture. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais parmi les contrastes, c'est un des contrastes que je recommande à avoir sur sa palette. Il est assez utile, il va vous permettre de jongler entre les teintes de peau, de cuir, réchauffer des couleurs. Il va avoir une teinte qui ressemble un petit peu à notre bon vieux Reckland Flesh Shade dans les shades, mais en étant un peu plus saturé et un peu plus chaud. Donc c'est une teinte que je recommande vivement. Donc sur ma palette, je mets une petite goutte de contraste médium et une petite goutte de contraste Fire Slayer, et avec une pointe d'eau pour délier tout ça, je viens affiner un peu le mélange, ce qui va me permettre du coup de venir pousser un peu ma couleur dans les recoins que je veux réchauffer. Alors là, l'idée, c'est pas de détremper toute la surface comme on a pu le faire avec des contrastes qu'on utiliserait comme des lavis. Ici, c'est vraiment juste de rougir les particules que l'on souhaite. Donc vraiment viser les creux. Hop, des plumes. Comme ça, je laisse vraiment mon doré apparaître sur les zones les plus saillantes des plumes pour éviter de trop assombrir le doré. Si vous voulez un doré plus patiné, lui donner un peu plus de vie, vous pouvez par contre là y aller à fond et faire un lavis de Fire Slayer qui vous permettra du coup d'avoir cette, euh,
cette patine de l'or, un côté un peu plus vieilli. Les custos que tu peins actuellement, et tu vois, tu peux tout à fait réutiliser cette recette, ça marchera très très bien et c'est un effet tabletop qui fonctionnera du tonnerre. Tu pourras améliorer aussi ce rendu simplement en y passant un peu plus de temps et en revenant un peu, en faisant des allers-retours entre les différentes étapes, ça va te permettre de mieux maîtriser tes dégradés, tes contrastes, tes couches, et du coup avoir un rendu de plus en plus fin, fluide, sans traces, qui va permettre d'augmenter la qualité du rendu. Voilà pour Charles. Alors, Fall, j'étais pas présent pour le précédent live. La recette pour l'or, si j'ai bien compris, c'est Wildwood. Non, c'est oui, mais en deux étapes, tu les mélanges pas. Je sais pas ce que tu entendais par le petit plus que tu as mis. Tu commences par faire un aplat de Wildwood. Et une fois qu'il est sec, tu viens brosser ton rétributeur dessus. Hop. Mais c'est effectivement tout à fait ça. Hop là. Alors, on fait les petites plumes. Alors j'en profite aussi lors de ce live pour tester des nouveaux pinceaux qu'on a reçus à la boutique, qui sont les pinceaux Green Stuff World, qu'on a fait rentrer en stock, ayant de plus en plus de mal à avoir des réassorts de nos autres marques. On a décidé de tester ces produits puisqu'on est quand même très satisfait de la gamme Green Stuff World d'une manière générale. Ça nous a permis du coup de tester ces nouveaux pinceaux. Leur gamme est déclinée sous deux variantes. La variante Silver, qui est une sorte de gamme moyenne gamme, qui va ressembler un petit peu au pinceau qu'on a chez Valero. Et la variante Gold, qui elle est du haut de gamme, et qui va du coup plus ressembler à ce qu'on a chez Artis Opus. Alors du coup, on est en train de les tester. Là, je peins actuellement avec un pinceau de la Silver série qui est franchement chouette. Hein. On a vraiment une qualité d'un pinceau moyenne gamme. Donc au même titre que les Valero dont je vous ai déjà souvent parlé en live, on est sur un pinceau qui est fin, qui est précis, qui tient bien la pointe, qui a une bonne charge de peinture. Assez satisfaisant pour faire de la peinture un petit peu rapide comme ça, on est plutôt sur quelque chose de cool. Oui Jean-Louis, un jour je ferai aussi pour les autres au fur et à mesure des tutos, je fais souvent des petites différences. D'ailleurs tu peux retourner voir le tuto qu'on a pu faire sur Warcry avec la bande des fous furieux du feu. J'avais fait du coup un tuto sur l'acier. Alors, est-ce que vous voyez bien un petit peu ce doré qui se crée? Donc on voit un petit peu la chaleur dans les plumes. Hop. Qui nous donne du coup un peu de vie, un peu de reflet à ce doré. Il va nous manquer du coup les petits éclaircies, les petits peps qu'on viendra faire au Stormos Silver dans un second temps. Salut Vinny. Salut Drew. Oh mince, il y a Drew qui me regarde peindre. Je sens un petit peu comme une pression sur mes épaules. J'ai un peu peur là du coup. C'est qu'on n'a pas le même niveau. Moi je fais de l'humble peinture. Alors, on va laisser ce casque sécher. Pendant ce temps-là, on va reprendre du coup nos arêtes sur le doré, sur le bonhomme. Tac. Alors, pour les éclaircies, je vais utiliser du coup mon Stormos Silver, si tant est que je le retrouve dans ma palette. Hop. Il est là. Tac. On va tester ça. Tu as commandé la pince Red Grass, elle est juste géniale. Ouais, t'as vu, c'est pas mal, hein. Ça marche bien.
Alors, juste pour revenir sur nos petits pinceaux Green Stuff World, ils sont présentés dans un petit étui comme ça, où vous avez du coup quatre tailles. On a la taille 2, 1, 0 et double 0. Du coup, pour être précis, vous pouvez varier en fonction des différents travaux que vous voulez faire, en fonction si vous voulez faire des lavis, des lignes ou juste des petites pointes de lumière. Le pack sort à 17,40 €. Je vous l'ai mis en lien sur le Discord pour le retrouver facilement. Et franchement, j'en suis plutôt satisfait. Vous allez avoir une autre gamme, du coup la gamme Gold, qui est présentée comme ça dans des petits tubes. Donc là, on est censé être sur une gamme plus haut de gamme avec du 100% Kolinsky. On est sur de la Kolinsky sibérienne. Hop, c'est écrit là. Hop. Adaptée au grand froid. Et on va tester ça tout de suite. Merci Drew, je suis flatté, je vais pas dormir cette nuit du coup. J'en suis pas encore à ton niveau quand même. Alors, on va prendre un petit peu de Storm of Silver sur la palette. Je demande le battle de peintre en ligne si tu veux. Oulala, vas-y mon Bast, active. Je sais pas si vous avez entendu Bastien qui demande un battle de peintre, mais je pense que j'ai aucune chance. Alors, donc là l'idée ça va être de placer des petites pointes de lumière pour venir redonner un peu de brillance à l'or. On est sur une technique qui va se rapprocher du M&M, une technique qu'on essaiera d'aborder un peu plus en détail lors d'une prochaine série de live. Donc l'idée c'est pas de venir mettre du métal brillant partout, c'est de venir viser un petit peu des points qui vont servir d'accroche à la lumière et simuler en fait l'éclat, la brillance du métal. Pour ça, je vous invite à essayer de regarder un petit peu autour de vous différents objets qui brillent pour voir où ces pointes de lumière viennent se poser. Il n'y a pas tellement d'autres méthodes, à mon sens, pour apprendre que l'observation. Regardez des objets qui brillent, regardez par exemple juste la virole du pinceau, où est-ce que se posent les différentes petites pointes de lumière. Et l'idée, c'est sur votre figurine de venir répliquer ça, en venant poser votre petite pointe de Storm of Silver là où ça brille. Et c'est ça qui va vous faire briller votre or. Alors n'hésitez pas à diluer un petit peu votre Storm of Silver pour éviter qu'il soit trop épais. Alors je confirme du coup. Donc là je suis parti sur un Gold Series double 0 pour avoir une finesse et une pointe très précise, histoire de pouvoir poser mes petits éclaircies pile poil où je veux et bien maîtriser la peinture. Et alors il est vraiment top. Je suis assez bluffé par la qualité du pinceau. La pointe est très longue. On est sur des pinceaux qui ont si je me mets en face de la caméra, c'est mieux, qui vont avoir en fait de longs poils, une longue pointe. C'est des pinceaux qui sont idéaux pour faire des idéaux. Le mec zoom, du coup, on voit mon empreinte digitale. Donc, on a vraiment quelque chose de très fin, très pointu, très long. C'est quelque chose qui sert généralement en peinture à faire des lignes. Puisque du coup la courbure du pinceau, l'élasticité des poils va permettre en fait de faire des tracés. Pour faire des points, ces pinceaux sont un peu moins précis parce que vous voyez quand on fait son point, la longueur des poils ne permet pas d'avoir une forte résistance et du coup votre pinceau va s'arquer, va faire un crochet. Donc généralement quand on fait des points, on essaye de prendre des pinceaux avec des poils beaucoup plus courts, mais pour l'instant ils n'en ont pas proposé dans leur gamme. Néanmoins là je suis assez bluffé parce que quand on pose du coup sa pointe avec la tranche du pinceau, le pinceau tient bien et on arrive du coup à faire des détails assez fins. Il est assez agréable, regardez. Tac. Ben, du coup, il part pas tout de suite sur le côté. Il a quand même une tenue qui est pas désagréable. Alors, par contre, si je les suis pas, je vais mettre des grosses gouttes d'eau sur ma figurine. Ça va bien moins marcher.
Salut Obira. On a Electromatique aussi, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On a Nicolas Aubert qui fait, on veut de la bagarre peinture. La bagarre. Merci aussi pour le follow, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Farside 17. Je ne vois pas tous les follow, vu que je regarde un petit peu la figurine, je vous avoue que je compte sur ma conscience, Bastien, pour suivre un peu le chat. Alors hop, si tu peux juste faire le focus. Ouais, comme tu vas peindre, nickel. Tac, j'ai bloqué. Tac, je bouge plus, ouais. Promis. Alors, ensuite, on avait Faladus qui demande bonjour, je reprends après une longue pause de mon temps, il y avait des Megabox de peinture Citadel, ça n'existe plus. Alors, les Megabox, c'est quelque chose qui sortait souvent à Noël, un espèce de gros bundle plein de peinture. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils n'en ont pas refait. Je pense que ça n'avait pas le succès escompté. Honnêtement, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Honnêtement, on a rarement besoin de l'intégralité de la gamme de peinture. L'intérêt d'une gamme un peu exhaustive comme celle de Games Workshop, c'est de pouvoir aller chercher la couleur dont tu as besoin, mais tout avoir tout le temps, c'est pas forcément, un intérêt à avoir toutes les couleurs chez soi. C'est plus une question de choix et de goût personnel après. L'idée du coup des packs, c'était que tu avais tout d'un coup, et je sais pas du coup s'ils en vendaient finalement tant que ça. Voilà, à voir s'ils vont nous en refaire un jour, mais pour l'instant c'est vrai que c'est plusieurs années qu'on les a pas vus. Nadro qui nous fait comment on préfère la bagarre peinture. Oh mon Dieu. Ben, soit tu viens à Grenoble, hein, on paye le billet et puis on va se boire des bières, soit on le fait en ligne directement. Mais bon, le mieux ce serait quand même que tu viennes. Tu viens, on se met côte à côte, comme on a fait la dernière fois avec Ivy. On essaye de pas casser le matos de Bast, encore. Et on rigole un bon coup. Après, sinon, on peut faire ça à distance, par caméra interposée, en fonction du matériel que tu as pour te filmer. On doit pouvoir faire un petit truc comme on avait fait pendant le premier confinement. La bagarre de peinture, c'est rigolo ça. Après, faut qu'on sélectionne un thème, tout ça, une figurine, qu'on rigole. La bagarre contre Drew, ça met quand même un poil la pression, quoi. Je suis un peu en train de transpirer là d'un coup. Il nous dit un jour, alors je viendrai, c'est prévu. Bah oui, on t'attend. On t'attend. On va préparer le stock de chartreuse, de raclette, de tartiflette, de... Les colorades réelles, mais aussi qui fait je suis chaud pour venir peindre à Grenoble aussi. Mais quand vous voulez. Surtout dès qu'on peut. Pour l'instant, on est encore un peu embêté, mais ça va revenir. Hop. Voilà, on va faire un petit doré comme ça qui va bien pour l'armure. Voilà, donc après vous pouvez passer l'éternité à reprendre dans un sens, dans l'autre. Typiquement, dès que votre... Si votre pinceau vous a joué quelques tours et aller se foutre à des endroits où vous vouliez pas d'argent, vous pouvez tout à fait reprendre un petit peu de Wildwood et venir retaper un petit peu les différents éclats de peinture qu'il pourrait y avoir à droite à gauche qui viendraient vous embêter, venir retracer un peu sous les rivets, hop, pour venir redéfinir un petit peu vos ombres. Tout ça, tac. On enchaîne avec le reste de la figurine. Alors on avait les petites médailles qui sont là, donc pareil, quelques petites arêtes, quelques petits éclats à droite à gauche,
Et merci pour le follow, la tireuse à bière. Ça va en faire des challenges à faire avec tous ces, contestataires, ces compétiteurs. On va s'amuser un moment là. Faudrait qu'on fasse une ligue. Comme la ligue Pokémon, mais avec des concours de peinture. On ferait un badge. J'ai le meilleur des Pokémon. J'en ai même trois. T'as trois deux pirates. T'as des Pokémon pirates, toi? Eh oui. On revient sur notre casque. Dim Dim sauvage. T'as un Dim Dim sauvage. Et un Axel pirate. Et j'ai le monsieur propre de la peinture aussi. Ça, c'est le top. Bah franchement, les Gold Series, ils sont plutôt chouettes. Hein. C'est assez agréable. Faut aimer les pinceaux à poils longs, mais... Salut Alpha. On a Mastas qui fait avec tous ces cons. Mais non. Mais non, on vous aime. C'est juste que je retrouvais plus le mot compétiteur. Ce qui fait froid à Grenoble ce matin, du coup, mais j'ai quelques neurones qui sont congelés. Hop. Alors, on a Color Real qui fait, c'est quelle gamme ces pinceaux? Du coup, c'est le Green Stuff World, on a la série du coup argentée, on a la série Gold aussi. Donc du coup, deux gammes de pinceaux, franchement, qui se tiennent super bien. Ouais. Les Gold vont plus se rapprocher des Raphaël, pour un prix un peu moindre. C'est ça, de la série 8404, ceux qui ont des poils longs. C'est pas les poils courts. Et ouais, ils sont plutôt... Ils sont plutôt cool. Les prix vont bien. Hein. On est entre 9 et 12,50 € sur les gold en fonction de la taille. Donc le taille 2 sera 12,50 €. Le taille 1 est à 10. Ensuite, on a le 0 qui est à 9,50 € et le double 0 qui est à 9. Et ensuite, on a le petit pack pour la silver qui est à 17,40 € pour les 4 pinceaux. Hop. On va revenir un petit peu sur du silver juste après pour tester la différence pour les autres couleurs. Là, je voulais finir l'or avec celui-ci. C'est franchement pas mal parce que souvent le... Ouais, je me décale un petit peu, je glisse. L'argent étant une couleur qui a tendance à avoir du mal à se poser les métaux, c'est toujours un peu délicat. Là, franchement, le résultat avec ce pinceau est assez bluffant, je suis assez satisfait. Non mais si tu zoomes trop, Bastien, ils vont finir par voir que je peins mal. Hein. Vous les voyez mes coups de pinceau là? Je viens corriger juste un peu mon ombre avec du Wildwood dans le creux. Ensuite, juste avant, on avait Ita qui fait, existe-t-il un pot pour raviver un pot de peinture un peu fatigué ou juste une goutte de médium dans le pot suffit? S'il est juste fatigué, un peu de médium, ça suffira. Sinon, on avait testé en live, justement. Ouais. Paint. Oula, c'est vrai que c'est un gros zoom, ça, c'est un peu agressif quand le produit arrive. Blam. Absolument, j'ai des zooms. Le Paint Revitalizer de chez Green Stuff World qui est franchement bluffant aussi, ça marche pas mal. Voilà, donc s'il est quand même bien vieux, honnêtement. On a testé sur des pots Fondation Citadel, donc il y avait 15 ans, je crois. Et j'en ai ressorti 5 pots neufs, limite. Franchement, ouais, c'est bluffant. Tu le retrouves à Revitalizer, du coup. Donc, du coup, ouais, en effet, il y a le lien sur la boutique directement dans le Discord. Ah, nickel, on avait Cryo 38 qui disait, ben, en effet, on l'a testé du coup en live avec le Dim Dim Show. Oui, du coup, je voulais aussi dire challenger. J'étais perdu entre tous ces mots. J'ai bugué. Hop là.
Je repasse un petit peu de Fire Slayer dans les creux les plus accentués. Alors je passe un petit peu de temps sur le doré parce que comme c'est quand même une partie visible qui attire bien l'œil et qui sera dominante sur la figurine, je pense que c'est important de lui accorder un peu d'attention. Ça permettra de cacher la misère sur le reste. Hop ! Le doré est fini. On va pouvoir passer à une autre couleur. Je vais revenir du coup à un Silver série pour pouvoir un peu checker la différence. On va passer du coup au tissu ce coup-ci. Le tissu, il va être divisé en deux couleurs. On va avoir des tissus roses et du tissu blanc. Je vais commencer par le rose, ce qui me permettra du coup d'éventuellement corriger en repassant une base Racebone si jamais je déborde sur le blanc. Je vais utiliser, on pourrait faire du freehand pour faire des bandes, etc. On va rester quand même dans l'objectif d'avoir quelque chose d'un peu tabletop. Je vais utiliser la gravure de la figurine qui est assez précise. On voit, il y a pas mal en fait de petites délimitations qui sont faites dans le tissu. Là, par exemple, sur les guêtres un petit peu, là. On va avoir aussi de ce côté-là, avec le pantalon bouffant, on va pouvoir du coup gérer ça. Et du coup, donner un petit peu cet aspect bicolore blanc-rose qu'on a sur la figurine. C'est parti. Donc, j'ai dit qu'on attaquait par le rose. Pour le rose, je vous ai préparé une petite recette à base de Fulgrim Pink et de Voluptuous Pink. Qui est là, Volupus, j'arrive pas à le prononcer ce nom, c'est le Volupus et pas le Voluptuous. Moi je veux qu'il soit Voluptuous ce pink. Oui, je dis la même chose. On a Mastas qui nous fait, vous avez prévu de vous affronter, Dim et ses orques noirs de Gotham, mais toute la boutique va s'affronter. C'est prévu, ouais. C'est bien prévu. Donc je vais commencer par le Volupus, que ce coup-ci je ne vais pas diluer, juste une petite pointe d'eau pour le fluidifier. Mais j'ai pas envie de changer sa concentration. Je veux vraiment rester sur ce rose intense. Et du coup, je vais peindre. Je vais essayer de faire un aplat en débordant le moins possible sur toutes les zones que je veux traiter en rose. J'ai vu passer aussi au passage une petite question sur l'équivalent de l'agrax. L'équivalent de l'agrax en contraste, pour moi, c'est le Wildwood. Que du coup, j'ai vraiment remplacé l'agrax dans ma palette par le Wildwood. Le contraste médium permettant de le diluer et de faire varier l'intensité des ombrages que l'on souhaite faire au Wildwood. Tac. Donc ouais, la pointe même sur les silvers est vraiment fine. Ça permet d'être très précis. On sent que c'est pas tout à fait la même qualité qu'un Artis Opus. Hein. Il y a la différence de prix se justifie. Mais c'est quand même franchement agréable. Voilà, Mastas qui nous dit en live, j'espère, ouais, il y aura certaines parties du coup qui seront en live. Parce qu'on va faire une petite ligue à la boutique. GL qui nous bien, fait ici, Paola vient avec une équipe de snorkeling, mais justement, on va organiser une petite ligue. Alors, pour gagner du temps vraiment sur cette méthode de peinture, l'idée c'est d'être le plus précis possible pour éviter d'avoir trop de retouches à faire. Plus vous serez propre et moins vous déborderez, moins vous aurez besoin de jongler entre vos couleurs. Et là par exemple pour le rose, un petit aplat de Voluptuous, je vais y arriver, pink, suivi du coup d'un petit éclairci de Fulgrim, sera amplement suffisant pour traiter le rose, qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Par contre, si vous débordez et que vous en foutez partout, bah vous allez reperdre du temps à devoir corriger en repeignant en Racebone toutes les parties sur lesquelles vous aurez débordé. Donc essayez vraiment d'être précis. Et pour ça, une bonne pointe de pinceau vous sera très utile.
Je suis assez content de la couleur du Volupus, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais déjà là, c'est plutôt chouette. Carrément. Et merci pour le follow aussi, du coup, Ariakan. Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. On va faire l'écharpe en rose. Salut Kefas. Parce que le rose, c'est cool. Là, je les trouve assez agréables à peindre, ces petits impériaux, ces petits nobles. Je les trouve assez agréables à peindre, ces petits nobles impériaux. Mais j'ai l'impression que toutes les zones en fait sont plutôt cool, bien définies. Ouais. Merci. Et Dim Dim vient de balancer 500 bits. Tiens, Dim Dim, ça tombe bien que tu sois là encore. Reste connecté, j'en ai encore allé pour 20 secondes à tout casser. Reste bien là, s'il te plaît. On t'a préparé une surprise, mon brave Dim. Reste avec nous 2 minutes. Alors, on est bon pour le rose de ce côté-là. On va le laisser sécher. Hop, on va attaquer le rose sur les autres parties. Alors, on va faire quelques petites médailles ici. Hop, rapidement. Et puis son gros nœud sur son casque. Salut Lindal. Alors, il va pas être simple à peindre celui-là. On va le faire tout rose. Hein. Hop. On barbouille du voluptuous pink dans tous les creux. Alors faites attention quand vous sous-couchez comme ça en blanc et que vous travaillez avec plutôt des lavis, des contrastes, à bien aller dans tous les recoins, à ne laisser aucune petite zone blanche dans les ombres. Ça serait du plus mauvais effet quand on observe votre figurine, si on voyait apparaître une petite tache blanche dans un recoin. C'est pas... Ça casse un peu le volume, ça casse un peu la lecture de la figurine. Donc c'est une des difficultés avec les sous-couches blanches, c'est de bien penser à l'appliquer sur tout le volume et à bien aller dans les creux. Ça fonctionne plus les pauses boissons. Alors si, ça fonctionne, mais on n'a pas pris de boisson. Il nous faudrait une pause chauffage. Exactement, on a Drew qui nous fait pour la petite histoire. Quand j'ai fait les tests couleurs pour les humains, on est tombé d'accord sur la couleur que tu appelles rose en anglais, c'est maroon. Donc du coup, plutôt bordeaux.
j'imagine, qui est censé être entre le bordeaux et le rose. Exactement. Le nom de cette couleur n'existe pas en français, voilà. Voilà, je trouve ça drôle, perso, d'avoir une couleur sans nom dans votre langue. Dans une langue, mais pas dans l'autre. Du coup, le maroon, en fait, c'est pas vraiment du bordeaux, c'est plus lidvin, en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est une couleur que j'aime bien, moi. Cette espèce de rose... Moi, j'aime beaucoup. Je suis assez fan de cette teinte. Alors, pendant il y en a des qui fait faut des cafés vu le gilet de Julien. Ah oui, Julien. Bah oui, puisque tu sais que je suis toujours à cause de Dim et de sa double vie. Je peux malheureusement plus porter mon nom sur le chat. Je ne suis qu'étoile. Et salut la recrue. C'est quel contraste ce rose? C'est le Volupus Pink qui est très très chouette. Alors, on va maintenant passer au blanc qui est juste à côté. Donc pour ça, on va prendre un petit peu de Vraisebone qui va nous servir d'abord à recorriger les endroits où le Volupus Pink aurait pu se faire la malle et déborder légèrement. Donc là, le but, c'est de reprendre un petit peu les bordures, éviter les taches, voilà, refaire un petit peu de propre, puisque là encore on va travailler avec du contraste et on va utiliser vraiment la transparence du produit et la base claire dessous pour venir travailler nos ombres. Donc c'est important que ça soit bien tout beau, tout propre. Faites attention que votre contraste soit bien sec, sinon par capillarité, il va venir instantanément se mélanger avec le Vraisebone et vous faire une tache de couleur. On est en mode messe pour la musique d'ambiance ? Tout rapidement. Et c'est tout. Bah, c'est tout. Alors, pour le blanc, c'est tout simple. On va partir aussi sur du contraste avec le désormais célèbre Apothecary White qui fait du blanc tout seul. On se coud un bon coup. Je vais en mettre un petit peu sur ma palette. Donc c'est une espèce de gris assez pâle, assez transparent, qui, une fois passé sur votre Vraisebone, va vous donner tout de suite un rendu ombré du blanc. Attention, ça va vite. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Vous avez un dégradé qui fait le taf et qui vous fait un beau tissu blanc. Alors là, la difficulté, c'est de ne pas venir trop mordre sur le rose. Hop. On a état qui font, les ombres sont bleutées froides sur la Apothecary White. Oui. C'est une sorte, si tu veux comparer l'Apothecary à une autre couleur, ça se rapproche un petit peu du Fenris Yan Grey. Tu as ce côté un peu gris-bleu, froid, pâle, mais très très clair, qui permet du coup d'ombrer assez bien le blanc. Alors on pourrait très bien le faire avec un dégradé classique, hein, tout ça, mais les contrastes sont quand même assez pratiques quand on veut faire des rendus rapides. Et puis en les travaillant un petit peu, on peut aussi tout à fait avoir des rendus assez chouettes, qui vont plus loin que le simple lavis posé. On peut tout à fait un petit peu les travailler, les tirer, les passer en plusieurs couches et finalement travailler un dégradé assez complexe
est assez chouette. Je vous invite à faire des essais avec ces peintures qui peuvent tout à fait s'utiliser dans une technique de peinture plus complexe. On voit souvent les contrastes comme une peinture qu'on applique en une couche et pouf, c'est fini. Vous pouvez vraiment aller un petit peu plus loin et faire des choses assez chouettes avec. Hop, donc de ce côté-là, on est bon. Alors, on va attendre que ça sèche. Alors, j'essaye d'étudier un peu ce qu'on voit là. Je suis pas. Ah si, c'est son gant. C'est son gant. Et là, on voit son coude. Alors, je vais profiter du fait que mes contrastes sur le tissu sèchent, avant de revenir dessus faire des éclaircies. Je vais attaquer un petit peu les zones de peau qui vont être faites en plusieurs étapes. On va commencer d'abord par un aplat avec du Cayenne Flesh Tone. Hop. Donc là encore, vous allez pouvoir retrouver la petite recette pour la peau dans le Discord. Donc c'est assez simple, on va utiliser à la fois des aplats et à la fois des contrastes. Donc là, on va utiliser les contrastes un petit peu comme des lavis pour venir ancrer, ombrer les volumes. Bon, un peu de Cadiane, un peu d'eau et on va faire quelques aplats. Alors, il y a. Alors, on a l'atelier de Marcus qui fait bonjour à Yem. Petite question, je souhaite passer une commande chez vous. Apparemment, lors du choix de livraison, du coup, à domicile, on me demande le numéro de téléphone. Est-ce que tu as bien mis, du coup, comme ils le disent, en plus 33, du coup, tu enlèves le 0. Normalement, ça devrait marcher. De mémoire, je crois que c'est ça. Raph Santa Miniature qui vient débarquer. Salut à toi, j'espère que vous allez bien. Du coup, est-ce que Dim est encore là? Ça y est, tu Petit lui as préparé Dimitri sa demandé blague. à l'accueil, nous avons un nouveau point de chaîne. Alors, s'il vous plaît, hop, je vais le faire moi, comme ça va rien de vous coûter. Et normalement, maintenant, vous avez directement une nouvelle sonde d'alerte que vous pouvez payer du coup en. Ouh, et en plus, il vient de sub. Et regarde ce qu'on a pour toi. Donc, du coup, la sonde d'alerte avec les derniers mémos qu'on s'envoie en vocaux. Donc, du coup, ça va être enregistré automatiquement et voilà, vous en aurez. Pour votre argent, je pense. Je vous laisse écouter. Vous n'êtes pas prêt. Ben si, ça marche aussi sur les Jeeps, il n'y a pas de souci. Quand tu l'auras, tu pourras essayer. Alors apparemment, c'est pas automatique, il va falloir que j'aille les débloquer. Hop. Bastien nous prépare un truc, j'espère que vous êtes prêts parce que ça pique les oreilles, hein. Moi, je l'ai entendu et je pense que l'humanité n'est pas prête. Alors, pourquoi ça bug? Peut-être que c'est juste que je viens de Alors me voilà, mettre. la plate peau est finie. On va pouvoir du coup revenir sur notre rose et lui donner un peu de peps. Alors, je sais pas si vous voyez, mais déjà, on est sur un petit dégradé de rose qui est franchement sympathique. Et la sculpture, les volumes de la sculpture permettent déjà à eux seuls de faire un drapé qui est convaincant. Voilà, on va essayer de lui donner un peu plus de vie, mais on est déjà sur une figurine qui pourrait s'arrêter là et être franchement chouette. Alors, pour lui donner un peu plus de vie, on va juste travailler un peu les éclaircies. Pour ça, on va revenir sur notre fulgrim pink qui va nous servir à venir faire quelques arêtes. Donc, un peu de fulgrim sur la palette, un petit peu d'eau pour le fluidifier. Alors, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais rester sur la silver pour tester et je vais prendre le double zéro en silver série. Hop. Alors, tous les pinceaux sont double emballés dans du plastique, comme ça vous êtes sûr que la petite. Bague ne s'en va pas. Par contre, quand on a les doigts gelés, on n'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Donc on a un pinceau pareil qui est quand même assez fin et précis. Donc on est vraiment sur les mêmes tailles entre la gold et la silver.
La différence entre les deux, si je dis pas de bêtises, c'est que dans la Silver, vous avez un mélange de poils naturels et un petit peu de synthétique. Vous avez un mélange. Alors que dans la Gold, on est déjà sur une gamme de Kolinsky plus haute. Et on est sur du 100% Kolinsky. Et du coup, avec mon rose, je viens reprendre, avec la tranche du pinceau, je viens reprendre légèrement les arêtes qui sont exposées à la lumière. Pour revenir donner un petit peu de volume à tout ça. Hop. Tu t'en sors avec le son du dîme. Oui, ça doit le faire. Voilà, juste une petite reprise d'arête rapide. Et on est pas mal. Là encore, si on déborde un peu, si on veut reprendre un petit peu ces éclaircies, on peut tout à fait reprendre un petit peu de Volupus Pink à côté et venir corriger les endroits où on aurait été un peu trop loin avec notre Fulgrim Pink. Donc là, je viens simplement retracer un petit peu certains volumes, effacer un petit peu certaines zones et renforcer un peu certaines ombres. N'hésitez pas à diluer un petit peu votre volupus pour pouvoir plus facilement le maîtriser et faire des transitions, des dégradés un peu plus doux. Voilà pour le rose sur le corps. On va reprendre un petit peu le rose sur la tête. Donc de la même manière, on reprend notre Fulgrim Pink et on vient retravailler un petit peu les arêtes. Alors, vu le volume, je vais même m'amuser à en profiter pour tester un petit peu une autre gamme de pinceaux qui sont les pinceaux brosses rondes de chez Army Painter. Alors, on a souvent eu la question de savoir est-ce qu'ils sont bien, comment ils sont. Alors, toujours en ce moment, face à la difficulté de se procurer les pinceaux Artist Opus brosses rondes, la concurrence, Army Painter, a sorti leur petit set. On est sur une gamme de prix qui est beaucoup plus basse. On est sur la clairement de l'entrée de gamme en termes de pinceaux de ce type-là. Ils font le job. Comme les pinceaux Artist Opus, ils ont tendance à perdre un petit peu leur poil, ils ont quand même tendance à en perdre beaucoup plus. On a du coup différents retours dessus, surtout visiblement sur les gros pinceaux qui ont tendance à perdre un peu plus leur poil que les artistes. Mais sur les pinceaux de taille moyenne, ils font le job. Je pense que si vous cherchez à faire du tabletop,
Ils seront amplement suffisants. Si par contre vous cherchez à faire des figurines un peu plus fines, si vous voulez avoir un rendu plus précis, les Artis Opus resteront quand même le bon choix. Mais il faut malheureusement attendre qu'ils aient l'occasion d'en refabriquer. Bon, voilà, dès que je passe un petit brossage, on a quelques poils qui s'en vont. Après, si vous surveillez bien votre peinture et que vous les enlevez tout de suite avant qu'ils aient le temps de se prendre dedans, vous allez pouvoir du coup rectifier le tir et éviter les drames. Hop. On a quand même un brossage qui est beaucoup plus doux qu'avec une brosse classique. C'est quand même pas désagréable. Tac. Donc je brosse rapidement en rose. Je rince légèrement mon pinceau pour éviter que l'acrylique ait le temps de sécher dedans. Et ensuite, avec mon pinceau fin, je vais reprendre le Volupus Pink et venir remarquer certains volumes sur lesquels je veux garder un rose un peu plus franc. Hop. Est-ce qu'on a des petites questions? La gamme Dry Citadel vaut-elle le coup? Eh bien, elle est plutôt très chouette, la gamme. On espère que Dim était là. L'enceinte a décédé en même temps et s'est éteint tellement. Tellement voilà. C'était atroce. Donc on vous présente le chant du Dim, sauvage, la nuit, dans le soir. Ils envoient des vocaux comme ça au beau milieu de la nuit. Donc vous pouvez maintenant l'écouter à loisir. Alors avec les points de chaîne, ça ne marche pas encore pour l'instant, je vais vous les rembourser. Ah, mais j'ai juste fait un test du coup à 0 bit en payant. Tac. Donc oui, les pinceaux Citadel sont chouettes. Mais c'est vrai que là, on a une nouvelle gamme de pinceaux brosses rondes qui est quand même assez bluffante sur les rendus. On a quelque chose de plus doux. Je pense qu'après, c'est aussi une question de mode, hein, il faut le dire, et puis de goût personnel. Vous pouvez déjà avoir des rendus très intéressants avec vos brosses Citadel, simplement en les humidifiant légèrement, plutôt que de les utiliser complètement sèches. Humidifier légèrement les poils avant de faire votre brossage. Par contre, attention, on parle d'humidifier, pas d'étremper. Donc il ne faut pas tremper votre brosse dans le pot d'eau. Il suffit simplement, en fait, de, sur un chiffon humide, de venir frotter un petit peu le poil pour qu'il se charge légèrement d'humidité. Ça vous permettra déjà d'avoir un brossage plus doux. T'es décalé. Je suis décalé, hop. Je me recale. On a Raph Santa Miniature qui fait « Avez-vous pu choper des Battle Force Necron ?» On n'a eu que très peu, elles sont parties super vite, donc on va voir si on réussit à en avoir des nouvelles. Mais pour l'instant, non, malheureusement. C'est un peu la dèche des Battle Force. Namastas qui nous fait « Mais quel enfer !» Et oui. Voilà, et on va finir du coup avec les sangles des petites. Ah mais c'est pas toujours facile de travailler avec Dim, hein. C'est drôle, hein. C'est un bon copain, c'est un bon collègue. Mais des fois, quand il chante ou qu'il nous sort des chansons, fou. Moi, je l'ai eu dans la tête tout le week-end. Merci, Dim. Ah, je n'ai plus d'affichage. Je ne vois plus rien. Ah, ça y est, j'ai re de l'affichage. Salut, Mricu. Au niveau de la dureté, ça donne quoi en termes de dureté pour les pinceaux Army Painter Bros, on est sur quelque chose d'un poil plus souple qu'un Artis Opus. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus doux. Je pense qu'on est sur de l'impression. C'est tous les deux du poil de chèvre, donc après ça va être la qualité du poil qui va changer. On revient du coup sur notre tissu avec notre blanc. A-t-il fini de sécher? Ouais, on est pas mal. Alors regardez du coup le rendu du contraste blanc.
Donc là, je n'ai rien fait que sur une base de Vresbone passer le contraste pour avoir ce rendu-là. Donc c'est déjà plutôt chouette. On va essayer simplement de le renforcer un petit peu. Hop. Ah oui, on a un beau zoom là. Ah, mais si tu fais des zooms comme ça, ils vont quand même vraiment finir par voir que je peins pas bien. Que c'est de l'escroquerie, hein, qu'on joue sur le flou de la caméra. Du coup, on va finir quelques ombrages avec le griffe chargeur grey, qui va nous servir du coup d'ombre. Donc c'est un gris un peu bleu. Celui-ci, on va le diluer parce qu'on ne veut pas du tout marquer la figurine. L'idée, c'est vraiment juste d'accentuer quelques ombrages. Donc il est assez franc. On va du coup, pour ça, utiliser du contraste médium et un petit peu d'eau pour baisser un peu son intensité. Tac. Et on va du coup l'utiliser pour renforcer certains creux. On va l'utiliser à la fois sur le blanc, mais aussi sur le rose. Ça va nous permettre de lier les deux tissus. Hop. On a Guillaume Deveau qui fait « Salut Papacito, je t'avais pas reconnu sans tes lunettes. » Papacito ? Tu connais pas ? Non. Un éditeur de sharing qui fait des bouquins en mode... Je te montrerai. Ouais, là, je l'ai pas. J'ai le nom du bouquin. Je l'ai pas, là. J'ai pas la référence. Je ressemble à Papacito, du coup. Ouais, surtout dans le... Je te montrerai. Salut Julien, la forme, bonjour à tous. Salut le pélican pêcheur, j'espère que tu vas bien. On a Rafsanta, Gadar qui fait « Alors, j'ai pu passer commande chez Tactica, mais j'ai dû chercher en Suisse allemande. » Ah ouais, mais là... On a Galdar qui fait « Il n'y en a pas encore. » De bouquins, il me semblait. Tac. Donc là, je passe simplement du griffe chargeur grey sur les ombres les plus marquées de mes tissus. Indépendamment du fait qu'ils soient blancs ou roses, l'idée, c'est du coup d'ombrer le volume général de l'objet pour lui donner un petit peu un lien et accentuer un peu les volumes pour les faire ressortir. Donc j'utilise le griffe chargeur grey, mais bien dilué ce coup-ci, enfin un peu transparent, avec du contraste médium pour le diluer, afin de travailler du coup une jonction qui sera douce, où on ne verra pas de traces. Hop. Et j'insiste surtout dans les creux et les recoins. Et voilà. Hop, je vais faire la même chose sur le casque. Pour faire ressortir un peu tout ça. À plus, Color of Dream. À plus, à bientôt. Salut, Lazare. Tu sais ce qu'ils n'ont pas fait encore aujourd'hui ? Mon bombaste. Ils nous ont pas raconté ce qu'ils étaient en train de manger. Et oui, parce qu'il commence à faire faim. Mmh. Namastas qui fait, t'as prévu de faire un tuto Black Orc aussi? Alors les orcs, c'est notre ami Dim qui est dessus. Donc je vous laisserai rejoindre le Dim Dim Show pour voir ses avancées et ses petites astuces pour les faire. Hop. Et voilà, notre tissu est fini. On a du coup l'or et le tissu qui sont faits. Alors on va accélérer un petit peu pour finir les dernières parties, puisque déjà elles sont plus petites et le traitement est aussi assez rapide. On va du coup repasser à la peau avec notre Cayenne Fleshstone qui a eu le temps de sécher. Et on va lui passer du coup comme ombrage dessus un petit lavis de Gilliman Flesh. Contraste, hop, Gilliman Flesh. Qui du coup va vous servir d'ombrage sur le Cadian. Pourquoi passer un Cadian dessus en premier plutôt que d'utiliser le Gilliman directement sur le Vresbone?
tout simplement parce que je trouve que ça donne une couleur plus franche, plus travaillée. On a moins l'aspect un petit peu aqueux du contraste où on pourrait voir que c'est simplement du liquide qui a séché et on peut un petit peu mieux maîtriser ces dégradés. Du coup, hop, je passe mon Guilliman sur le Cadian. Hop. Voilà, pareil sur le visage. Alors, est-ce que vous pouvez donner la programmation des lives cette semaine? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore tous les lives de noter. On fera une petite publication dès qu'on a tous les horaires. Normalement, il devrait y avoir un Dim Show. Normalement, on se retrouve avec Axel demain, du coup, pour les listes de 40K. Oui. Ça va être vraiment cool. On va se retrouver aussi normalement vendredi, si je dis pas de bêtises, pour toutes les nouveautés. Et Dieu sait qu'il y en a cette semaine. Oui. Et jeudi, peut-être, pour la Minute Histo. Ouais. Voilà. Comme la boutique réouvre, on va devoir se réorganiser un petit peu sur nos plannings pour pouvoir recaler tous nos lives. Mais on va faire en sorte de vous proposer toujours des choses chouettes à regarder pour vous accompagner pendant votre temps de peinture. Pendant que le Guilliman sèche, je vais passer du coup sur le cuir. Je vais faire deux cuirs différents, un cuir sombre et un cuir couleur brun chaud. Pour le cuir brun chaud, je vais partir d'une base de Snack by Pleaser que je vais passer du coup sur les cuirs. Donc là, je le dilue même pas. Juste une petite pointe d'eau toujours pour le fluidifier, mais vraiment une toute petite pointe d'eau, le contraste n'aimant pas trop l'eau. Et je vais l'appliquer directement sur les cuirs que je veux traiter en brun. Salut Warplayer RPG, j'espère que tu vas bien. On a Chacal qui nous demandait, je viens de recevoir ma boîte Blood Bowl, ça c'est cool et j'ai pas trouvé le code coupon pour la bêta. Alors je sais pas si c'était une offre limitée ou voilà, on est en train de demander à notre service client pour savoir si c'était une offre uniquement sur une toute petite partie ou pas sur les boîtes. Alors ensuite, on a le Pélican Pêcheur qui nous dit que ça a l'air tellement toujours plus simple qu'on doit faire. On avait Antoine qui vient de débarquer aussi. Salut. On a Lazare qui nous fait, j'ai mangé des pâtes et œufs, un bon repas d'étudiant comme j'adore, mais ça c'est super bon. Pâtes, œufs. Ouais. Ah c'est sûr que là on est... T'as une bonne base. Alors on est pas mal sur le cuir, je crois, sur ce monsieur. Salut à tous. Là on est bon. Qui nous fait repas, c'est poulet rissolé avec sa garniture de légumes. J'ai failli oublier le ballon. Presque envie. J'ai failli oublier le ballon sur la figurine. Du coup, j'ai pas peint la peau. Hop, je reviens rapidement peindre la main. Alors vous pouvez voir aussi que j'ai fait pas mal de sous-ensembles sur cette figurine. C'est pas quelque chose que je fais souvent, d'habitude je peins plutôt dans la masse. Ici l'idée c'était de vous montrer un petit peu la logique du sous-ensemble. Le but c'est vraiment de se simplifier la tâche de manière à pouvoir accéder facilement aux différentes parties de la figurine. Donc là le ballon m'embêtait pour accéder au recoin de l'armure et du tissu. Si je l'avais collé, le tissu m'aurait empêché de peindre le ballon de manière simple. Donc là, c'est pour ça que je l'ai gardé séparé afin de pouvoir le traiter facilement. On a Liendal qui le fait en même temps, le ballon ne sert qu'une fois que tu as tué tous les joueurs adverses sur le terrain. Ouais. Alors ça dépend comment tu joues, mais oui, il y a un peu de ça. On a Antoine qui fait comme le live sur l'or avait coupé. Est-ce que tu peux rappeler vite fait quel wash tu ombres après l'étape du brossage pour l'or? Le Fire Slayer. On l'a refait un petit peu rapidement au début de ce live-ci. Tu vas du coup faire une base Wildwood. Ensuite, tu fais ton brossage au rétributeur. Et tu viens faire un petit ombrage un peu sélectif au Fire Slayer.
Hop. Donc, on a fait cette première base de cuir. On va faire du coup la deuxième pour le cuir qui sera, lui, plus sombre. Donc, je vais utiliser d'abord une base de Storm Vermin Fur qui va me servir d'aplat, un petit peu comme ce qu'on vient de faire avec la peau, plutôt que d'utiliser directement le contraste sur le Vraisbone. On va l'utiliser en lavis sur une autre couleur. Donc là, c'est des cuirs qui, au final, seront beaucoup plus sombres. Donc, hop, Storm Vermin Fur comme base pour tous les cuirs qui seront plus noirs. Donc je vais en profiter pour faire toutes les sangles. Ça permettra de se détacher un peu de l'armure de la figurine qui est dorée, parce que le snakebite laser sur le doré, ça se voit pas trop. Hop. Alors quand vous faites ça à la maison, n'hésitez pas du coup aussi à faire des pauses pour laisser le temps à vos différents contrastes de sécher. Là, l'idée c'est de vous montrer toute la technique sur un live, donc j'essaye d'aller le plus vite possible. Mais du coup, parfois, mon contraste n'a pas le temps de sécher dans tous les creux et il peut venir par capillarité du coup s'inviter dans les couleurs adjacentes. Alors c'est pas dramatique, hein. Si vous êtes précis, vous allez pouvoir un petit peu contrecarrer l'effet. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous laissez bien le temps à chaque contraste de sécher avant de passer au suivant. Ça évite les ennuis et les couleurs qui s'absorbent les unes les autres. J'ai une vieille goutte d'eau qui traîne sur ma figurine, je ne sais pas d'où elle vient. Alors on avait, tu pars sur quelle couleur pour ton ballon? Mais du coup, hop, il vient de le lire, du coup c'est le Snakebite Laser. Snakebite Laser pour le ballon. Qui permet d'avoir un cuir plutôt cool. De la sueur ou des larmes. De la sueur ou des larmes. Il y a Dark Angelinos qui fait du poil de jus, mais non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ouais, c'est plus difficile pour faire de la peinture. Il reste la barbe. Alors ensuite, on a Liendal qui nous pose « Ah sinon, j'ai passé une commande chez vous il y a environ 2 semaines, incluant un Tech Marine Primaris qui a retardé la commande. En effet, ça a pas mal retardé. Je viens de voir qu'il est de nouveau dispo chez Games Workshop. Du coup, j'imagine que vous allez bientôt en recevoir exactement et pouvoir expédier les commandes. » Ben oui, bien sûr. On a Warplayer Mikjo qui fait « Salut patron, je vois que vous regardez aussi le live, lol. » Ils sont deux de... Warplayer RPG. Comment ça, tu bosses pas? C'est ça. C'est pas en télétravail? L'eau sur la figurine, ouais. Alors, des fois, faut faire gaffe aussi, Liendal, si jamais tu le vois disponible sur le site de Games Workshop, il faut que tu cliques quand même sur le produit, que tu ailles sur la fiche produit pour vérifier que tu peux bien l'ajouter à ton panier. Parce que souvent, ils disent ajouter au panier. Comme si c'était disponible, et une fois que tu vas sur le produit, ils te disent marche en plus. Fait non. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent hey, c'est revenu. Je leur fais vas-y, clique. Ah bon, bah on attendra. Non, mais apparemment, oui, il est bien revenu. Donc, dans tous les cas, tac. Je vais redoubler l'information à mon collègue, mais normalement, hop. Alors, pendant ce temps-là, du coup, ça a dû commencer à sécher. On va du coup utiliser un petit peu. Oh bah j'en ai encore sur la palette de Cayenne Fleshstone pour venir faire un petit peu des éclaircies sur le Snakebite Laser. L'idée c'est d'amener un petit peu de texture, donc plutôt que simplement des éclaircies, on va un peu tamponner, faire des petites griffures sur notre Snakebite, hop, lui donner quelques volumes. On va pouvoir aussi utiliser du Vraisbone avec pour accentuer un petit peu ce rendu de texture. Hop.
Donc là, essayez pas forcément de faire des dégradés tout propres. Venez tamponner, tapoter. Faites un peu de chaos. L'important, c'est que votre figurine soit, votre peinture, pardon, soit fine, de manière à ce que ça laisse pas d'épaisseur, mais que vous veniez marquer un petit peu, donner un petit peu de texture à votre volume. Une fois que vous avez fait ça avec le cadian, vous refaites la même chose avec un petit peu de Vresbone. Hop, si j'arrive à en récupérer un peu. Hop. Donc de la même manière, hein, vous venez faire des petits points, des petites taches, des petits traits. Hop. Vous n'hésitez pas à en rajouter un peu pour donner la texture du cuir. L'important, c'est vraiment de garder à l'esprit que votre peinture doit être fine pour que ça fonctionne. Hop. Pareil sur les gants. Hop. Tac. Voilà. Et on va finir par du coup un petit lavis par-dessus de Fire Slayer qui nous servira du coup à lier un petit peu toutes ces couches de texture. Donc là, vous prenez un petit peu de Fire Slayer, vous le diluez un petit peu avec de l'eau, un petit peu avec du contraste médium. Le but, c'est pas forcément qu'il marque beaucoup, c'est de faire une sorte de glacis qui va venir un petit peu lier toutes ces couleurs qu'on a utilisées pour faire du volume. Hop. Ça, c'est bon. Et pareil sur le ballon. Alors, je suis en train de me demander si en fait il est main nue ou si... Non, il est main nue de ce côté-là. Tant que j'y suis, j'en profitais pour passer mon petit lavis de Guilliman sur les doigts que j'avais traité séparément tout à l'heure. Nawar Player du coup qui nous fait, en tout cas Julien, je trouve que tu excelles dans ton art. Faut pas trop lui dire ça. Alors, ça avance. Donc il va nous rester du coup le cuir un peu plus sombre. Donc on a fait notre base au Stormfur Vermine. Et on va maintenant utiliser le Black Templar comme un lavis, donc le contraste Black Templar, comme un lavis pour venir ombrer un peu ce cuir. Donc vous le prenez ce coup-ci un petit peu dilué, avec du contraste médium aussi. Moitié-moitié, ça suffit. Une petite pointe d'eau pour le fluidifier. Et vous venez du coup... Alors je vais prendre un pinceau plus gros parce que le double zéro n'est pas du tout adapté pour venir faire des lavis. Un taille 1 ou 2 sera plus propice. Hop, et je viens passer une couche sur toutes les zones que je veux traiter en cuir plus foncé. Vous pouvez utiliser ce mélange, donc le Black Templar avec un petit peu de contraste médium, comme un oil noir. Ce sera vraiment un peu l'équivalent. Je trouve juste qu'il est un peu moins anthracite et un peu plus noir en termes d'intensité pour les creux. Donc je le trouve un peu plus chouette. Mais là encore, c'est vraiment une histoire de goût. Je vais pouvoir aussi utiliser le Black Templar pour venir du coup liner certaines zones, toujours diluées pareil. Hop, pour venir du coup renforcer certaines ombres, détacher certains objets les uns des autres avec une fine ligne noire. Donc là, ça peut être l'occasion de venir redonner un petit peu de volume à certaines zones de votre figurine et d'accentuer certains creux, certains reliefs.
Alors faites attention à ne pas déborder parce que là, sur le tissu blanc, ça ne pardonne pas. Si vous faites une tache, ça va se voir. Donc là, par exemple, j'en ai fait une petite. Je viens tout de suite la corriger avec un pinceau humide pour venir estomper la tache. Voilà. Tac. Et renforcer quelques ombres aussi ici. Hop. Et on va attendre que ça sèche. Je pense qu'on passera une deuxième couche de contraste noir pour venir encore noircir un petit peu les cuirs. On va finir du coup le visage maintenant. Approche de la fin avec la peau. Donc je rappelle, pour la peau, on a commencé par faire un aplat de Cadian Flesh Tone sur lequel on a fait un petit lavis de Guilliman Flesh. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je ne vois pas si je suis net ou pas. Voilà, là on est net. Et du coup maintenant on va rééclaircir un petit peu ça. C'est pas si compliqué en fait, hein. C'est des produits qui se posent tout seuls, donc il suffit de les laisser glisser dans les creux et ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas forcément beaucoup de technicité. Avoir un bon pinceau précis, ça vous permettra du coup de sniper les recoins. Mais en termes de technicité, c'est franchement abordable. Alors, il va vous falloir un petit peu de Vraise Bone maintenant. Donc, ma recette pour la peau, c'est du coup Cadian Flesh Tone, Guilliman Flesh. Et ensuite, on va revenir avec du Vraise Bone pour venir éclaircir les volumes. On peut jongler du coup avec un petit peu de Cadian, un petit peu de Vraise Bone, un petit peu de Guilliman sur sa palette pour faire différentes teintes, différents éclaircies et venir du coup faire des liaisons plus fines. Donc on va viser le nez à éclaircir, on va viser, hop, faut que je me recentre, hop, on y est, le nez, les pommettes, tac, la lèvre supérieure. Donc là, on a la mentonnière qui vient nous embêter. On verra pas beaucoup plus le visage, mais sinon, un petit coup sur le menton, ça permet de lui donner un peu de peps aussi. Sur les autres endroits où on a de la peau, on a le coude ici, où on va refaire simplement l'arête du coude et venir donner une petite pointe de lumière au muscle qui est au-dessus. Voilà, tac. Et ici, on a la main sur laquelle on va simplement faire quelques arêtes pour les doigts, décortiquer un peu les phalanges, mais point trop non faux. Voilà, une fois que vous avez fait vos arêtes comme ça, qui redonnent un petit peu de, qui refont sortir un petit peu le visage, vous retournez sur votre Fire Slayer. Et vous allez l'utiliser pour accentuer certains creux du visage. Donc les arcades, les yeux, autour du nez, sous le nez, la bouche et sous les pommettes. L'inverse des éclaircies que vous venez de faire. Donc d'un côté vous éclaircissez, de l'autre vous poussez un petit peu des creux. Donc là pour un petit rendu rapide tabletop sur la table, vous allez pouvoir faire ressortir le volume de votre visage en deux temps, trois mouvements. Hop, on va le laisser sécher. Ensuite, vous pouvez tout à fait enrichir le rendu avec différentes passes de jus, de gris bleu pour faire de la barbe, de marron dans les yeux pour aller un peu plus loin. On a Feu d'Esther qui vient de débarquer. Salut à toi. On a aussi du coup, tac, Telum 47. J'espère que tu vas bien. Nadoudo en kit, quand je vois ce que tu fais, tu n'es plus dans du tabletop et c'est presque la figurine de concours. C'est quoi le niveau tabletop pour toi ? C'est vrai que c'est une. Enfin, je pense qu'on a tous une définition différente du tabletop. Pour moi, en fait, ouais, c'est difficile à répondre à cette question. Moi, ce que j'appelle un tabletop dans ces tutos, c'est ce que vous pouvez avoir rapidement.
C'est-à-dire que là, on est à... On en a combien de temps en, en temps de live, là? Là, on a 1h15 à peu près, sans le compte à rebours. Voilà, on a 1h15 de live. Si on rajoute les 20 minutes de la dernière fois, on est à moins de 2 heures de peinture. Moins de 2 heures de peinture sur une figurine pour avoir ce rendu de ce niveau de rendu visuel, je trouve ça intéressant. Une figurine de concours, pour moi, c'est beaucoup plus de travail que ça, beaucoup plus de lavis, beaucoup plus de maîtrise dans vos dégradés et dans vos techniques. Ici, on reste quand même sur des techniques qui se font toutes seules. On passe des lavis dans les cases, on attend que ça sèche et on revient faire quelques éclaircies avec la tranche du pinceau. On est très loin d'une peinture où vous devriez maîtriser la moindre nuance, poussée dans n'importe quel creux, où c'est vous qui choisissez tout. Là, on est sur quelque chose d'assez effectif et rapide à mettre en place. C'est des recettes qu'on applique et qui se posent presque toutes seules. Pour moi, c'est ça la différence. Après, il existe certainement d'autres définitions du tabletop, et je suis à peu près sûr que chacun peut avoir la sienne, et que on n'attend pas forcément non plus tous la même chose d'un tabletop. Mais moi, c'est ma définition. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut avoir en une ou deux heures sur une figurine, réussir à la compléter et quand même avoir un rendu qui la met en volume, qui fait qu'on en profite, qu'on voit toute la sculpture et sur laquelle on a passé un petit peu de temps pour faire ressortir les différents volumes. Alors, si vous avez d'autres définitions, c'est maintenant. À vous les studios. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien? Ton rendu tabletop est très très bien, en tout cas. Après, voilà, certains utilisent le rendu tabletop plus. On rajoute des plus derrière. En gros, c'est un peu plus de temps passé, on va dire, sur le projet. Je pense que ça correspondrait peut-être un peu plus à ça. Parce que c'est un peu plus poussé que de jouer directement avec sur la table. Quel ballon est bien sympa aussi. Namastas qui fait, j'aimerais être aussi efficace en si peu de temps. Hop. Alors on va pouvoir commencer à coller certaines parties. Je pense notamment à la tête et au ballon. On va se munir d'une petite colle citadelle. Hop. C'est bon, il y a de la colle dedans. On va commencer à décoller. Donc là c'est simplement... J'avais mis un petit point de glue en fait sur une petite tige en métal, donc c'est juste en tirant dessus, on arrive à les défaire. Et du coup, ça va nous permettre de venir recoller les différentes pièces pour commencer à assembler les figurines. Alors pourquoi choisir de l'assembler à ce moment-là? Bah déjà parce qu'on approche de la fin, et ça va aussi nous permettre de commencer à travailler des liaisons entre les... 2, 8, c'est bon. Alors, j'aurais peut-être dû vérifier que le ballon passait avant de coller le bras. Alors, l'assemblage, j'ai oublié de monter mon micro. L'assemblage se fait bien en général sur la figurine de cette boîte Blood Bowl. Carrément, à monter, c'est... Ouais, elles sont vraiment chouettes. Vraiment simple. Je me galère juste là à passer le ballon, je sais pas vraiment pourquoi. On a JL qui nous fait une autre définition, c'est suffisamment peinte pour ne pas se faire refuser dans un tournoi. J'ai cassé le bras, chef. Ah. Il saigne en plus. C'est ça? Au moins comme ça, ça va se rassembler. Comme définition tabletop, c'est trois couleurs plus un lavis. Non, ça, ouais. Trois couleurs, normalement, c'est ce qu'on demande au minimum pour les tournois. En fait, je pense que la définition de tabletop, elle est différente entre chaque personne. C'est quel est ton minimum personnel que tu attends pour mettre une figurine sur la table? Moi, je me contente pas de juste un aplat de couleurs sur toutes les parties plus un Agraxor Shade dessus. Après, je jette pas la pierre. Je comprends tout à fait que ça puisse suffire à certains et qu'ils veulent
qu'un rendu de ce type leur soit satisfaisant pour eux. Mais moi, je ne me contenterai pas de ça pour mettre sur une table. Donc après, c'est vraiment c'est là où le côté ressenti personnel rentre en jeu. Bel après-midi à tous et à très vite. Salut Santa. Hop, le ballon est collé. On va maintenant coller la tête. Ça devrait être moins laborieux que le ballon. J'espère. Un doudou en kill qui fait mon tabletop à moi, c'est quand la figurine me plaît. Exactement, ben moi c'est un peu ça. J'y intègre quand même la notion de temps. Pour moi, le tabletop, c'est quand même quelque chose qui doit se faire un peu rapidement. Si on y passe trop de temps, on quitte un peu cette notion. Il y a peut-être aussi une notion d'impasse sur la finesse de certains rendus par rapport à un effet visuel impactant. Voilà. Commence à être pas mal ce petit Griff of Overworld. Overworld. Je ne sais plus où est le B dedans. On va revenir un petit peu sur le visage dès que c'est sec. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire quelques éclaircies sur le cuir un peu plus sombre. Donc je vais simplement revenir avec un petit peu de Stormvermine Fur que je vais mélanger avec un petit peu de Wraithbone pour avoir une teinte un tout petit peu plus claire. Hop. Et je viens retaper quelques arêtes sur mes cuirs foncés pour leur redonner un petit peu de volume. Les petits rivets de la coque. Et pareil, je peux reprendre un petit peu de contraste noir pour venir corriger là où mes éclaircies auraient un peu débordé. On a Tanida qui nous fait, ça dépend aussi du jeu, sur un Blood Bowl avec peu de figurines, 3 heures pas fixe, c'est pas tant que ça, alors que sur 2000 points d'or, en 40k, je mettrais 30 minutes pour la figurine de base, et bien sûr, plus pour les gros modèles. Après, c'est pour moi, du coup, la définition, c'est quelque chose d'acceptable quand tu joues, on va dire, à 1 mètre de distance. C'est vraiment le tabletop, c'est sur la table, c'est ce que tu vas jouer, donc. Tant que ça plaît, entre guillemets, pendant que tu les joues, c'est pas... Après, ça peut être une figurine que tu peux exposer. C'est ce que je fais aussi moi. Mais voilà, moi je m'arrête du moment où, quand c'est sur la table, ça me plaît. Ouais, mais on en revient, tu vois, à ça te plaît. Et qu'est-ce que toi, t'acceptes ? Après, je pense que les techniques et de temps sont différentes à chacun, tu vois. Je vais passer 30 minutes à 45 minutes par figurine. Grand, grand maximum, quoi. Je te rejoins là-dessus et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de très personnel. Hop. Réintensifier légèrement les yeux et la bouche pour que son visage se détache quand même un peu. Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse notion de contraste sur une figurine tabletop pour que du coup elle soit satisfaisante à une bonne distance. Ce qui est intéressant de travailler, c'est vraiment l'ombre et la lumière. De manière à ce qu'elle se détache bien sur la table. C'est quelque chose qui, je pense, est assez important à essayer de bosser pour venir. Mais comme tu le fais sur le drapé rose, là, on voit vraiment, enfin, les arêtes vraiment en blanc, vraiment saillant, justement pour donner du contraste. Quitte à surjouer le contraste, entre guillemets. C'est ça. C'est là où vous aurez un bien meilleur rendu. Parce que du coup, ça va vraiment... Mais comme vous le voyez là, à la vidéo, en fait. Ben là, je viens... C'est l'étape que je suis en train de refaire. C'est pour ça que je voulais commencer à la monter, à assembler les pièces principales. C'est avec un petit peu de Wraithbone, là, je viens reprendre, en fait, des petits points de lumière, des petites zones qui viennent me permettre... Je ne le fais pas au blanc pour pas que ça soit trop criard, mais le Wraithbone me permet de venir marquer un petit peu la lumière et de faire ressortir certains volumes
pour redonner un petit peu de cohésion, d'ensemble. Et c'est ça qui va finir de faire contraster vos couleurs, vos volumes, et faire ressortir votre figurine. Natalum 47 qui fait, c'est ce que je dis, c'est ce que j'allais dire, le travail n'est pas le même non plus si on prévoit de faire une fille qui va être vue à 1 mètre ou sur une photo avec un zoom x4. Qui a fait ça? Et c'est Tagui 600. Et merci pour les 200 bits, je crois. Alors, à moins que ça a marché, du coup. Tac, je vois. Tac. Et non, du coup, ça a marché, du coup, avec les 2000 points de chaîne. Ça y est, je pense qu'il y avait un petit laps de temps pour ça. Pour que ça fonctionne. Ouais. Après, alors, il va falloir que je mette un countdown, parce que du coup. Ouais, il faut qu'on soit prévenu, parce que là, je vais faire une attaque. Hein. Salut à toi, belle arrivée en tout cas. Je vais finir du coup ce live par l'aigle qu'on va traiter assez rapidement. J'espère qu'il aura le temps de sécher avant qu'on mette fin au live. Mais l'idée là, c'est de le travailler en contraste avec un petit éclairci derrière avec de la peinture classique. On va essayer de faire une sorte de dégradé dans le frais de contraste pour avoir des plumes un petit peu de couleurs différentes. Merci, keep cool. On va partir sur du Wildwood, du Snakebite. Et on va rester dans les mêmes teintes avec... Non, on va changer un petit peu, on va prendre du Skeleton Horde. Et on finira avec du Rackard Flesh pour venir faire quelques éclaircies à droite à gauche. Tac. Donc ça, ce sont mes couleurs. Je vais les mettre juste derrière, là, je ne sais pas si vous les voyez. Hop, juste sur le côté. Donc, on va partir de la couleur contraste la plus claire, qui sera le Skeleton Horde. Hop. Qu'on va passer sur tout l'animal pour faire son plumage. On va tirer un petit peu le contraste de manière à ce que on ait quelque chose d'assez léger qui teinte, mais on va éviter les trop grosses accumulations dans les creux. Il aime pas les piscines, le barbare. Il est quoi? Il aime pas les piscines, le barbare. Bah là, c'est pour essayer de faire un petit bout de dégradé, donc ouais, on va essayer de pas trop faire de piscine. On a Blackfish aussi, du coup, qui vient de débarquer, qui nous demande, du coup, des vidéos sur Bolt Action autres que sur des tanks. Alors oui, il y en a. On va d'ailleurs, cette semaine, on va attaquer un petit peu l'infanterie. Parce que là, en ce moment, les vidéos qu'on fait sur Bolt Action, elles sont orientées sur l'ouverture, en fait, de la boîte German Winter, qui est la nouveauté qu'on a reçue la semaine dernière. Non, il y a 15 jours maintenant, parce que ça passe vite. Hein. Et l'idée, c'était d'en faire une avec vous pour vous montrer ce qu'on a dans ces starters qui sont très très bien pour commencer. Donc, je pense comme toute personne, dès qu'on ouvre sa boîte et qu'il y a des chars dedans, on commence tout de suite par faire les chars, donc c'est ce que j'ai fait. Et on continuera avec l'infanterie et je vais vous faire un petit tuto du coup sur l'uniforme. L'uniforme allemand hiver. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous prévois pour jeudi. À plus, Laza. Bon courage. On a 10 pouces aussi qui vient de débarquer. Salut à toi. Et qui cool, qui fait, c'est infernal, ce Sandalt. Et oui. Et nous, on l'a en vrai qui chante. Hein. Il hurle ça à longueur de journée dans la boutique. Hop, donc, le Skeleton Horde est fait. On va rester là-dessus. Et là... Sans attendre que ça sèche, on va directement avec le Snakebite Laser venir commencer à travailler certaines plumes. L'idée de le faire directement avant que ça sèche, c'est que ça va me permettre de... Non ! Qui a fait ça ? On a Kimama qui vient de balancer ce centre d'alerte. Peut-être finalement monter le nombre de points. Hein. Ouais. Parce qu'il faut le mériter. Hein. Donc là, je le fais avant que le Skeleton Horde ait séché pour pouvoir du coup travailler une sorte de dégradé dans le frais et avoir du coup une jonction douce qui se fasse entre les deux couleurs. Ouh, et merci Kifas pour le sub. Ça fait super plaisir.
Merci à toi. Et si jamais tu es sur Discord, tu peux nous rejoindre. Et sous quelques minutes, normalement, tu auras accès au sub privé, au chat privé pour les subs. Et sinon, la réouverture de la boutique s'est bien passée. Ben, malheureusement, en fait, on a quoi, on va dire? En enlevant les studios vidéo, on a quoi? On a 300 mètres carrés, donc 200 mètres carrés pour les tables de jeu. Sachant qu'on ne peut pas les ouvrir, on n'était plus qu'à juste le magasin bas. Après, c'était cool, il y a beaucoup de monde qui sont passés nous voir. On a bu quelques cafés, on a un peu discuté à distance, entre guillemets. C'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir réouvrir les tables de jeu, mais ça fait plaisir de vous voir quand même. Exactement. C'était chouette. On est Ita qui fait, j'ai eu le temps de manger, vous êtes toujours là, quel plaisir. Et mangez avec nous. Mange Endal, directement Dim, dans la Tarzan, Dim, le chanteur de la jungle. Oui, j'avoue. C'est vrai qu'il y a un côté Tarzan maintenant que tu le dis. Et on va finir avec le Wildwood. Hop. Donc toujours pareil, dans le frais. Qui va me permettre du coup de mélanger en direct et de créer une transition de couleur douce entre les différents marrons utilisés. On a Kifas qui fait OK, merci de m'avoir fait découvrir Bolt Action. Mais merci à toi déjà. Bah nous, voilà. On kiffe pas mal. Oui. Du coup, merci à toi de nous suivre et ça va continuer. Donc là, du coup, tu fais des jus successifs de... Ouais, de brun, de plus en plus foncé, en allant vers le corps de l'oiseau et en laissant le bout des plumes plus clair. Parfois, je viens faire quelques taches à droite à gauche pour donner un aspect un peu plus naturel. Et on viendra finir avec un petit brossage et quelques plumes dessinées pour le finaliser. Hop! On va laisser sécher 2 minutes avant de finir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu sur notre griffe là maintenant qu'il a séché? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut retoucher? Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors si je devais là tout de suite à chaud retoucher quelque chose, je pense que le ballon me tracasse un peu parce que il est de la même couleur que l'or. Du coup, comme on disait tout à l'heure en termes de tabletop, ben ça ressort un peu moins bien. Donc c'est quelque chose que j'avais pas prévu, j'avoue. Et là, si je devais prendre un petit moment pour retoucher, je pense que je passerai le ballon dans un brun plus neutre, plus froid, pour contraster avec l'or qui est derrière. Mais bon, là on a la couleur un peu réaliste d'un ballon, donc ça peut passer aussi. Hop, enlever le bazar qu'il y a derrière pour faire une meilleure mise au point. Après, on peut s'amuser à travailler le visage de plus en plus fin. Ouais, un ballon noir bleuté, ça contraste très bien. Mais après, j'avoue que j'aime bien le cuir un peu plus réaliste du ballon. Donc le contraste peut se faire... En vrai, on voit la différence parce qu'on n'a pas la même texture entre le métallique qui est brillant et le ballon qui est plus mat. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait retaper. Hop. Alors, il en est où notre petit aigle qui sèche? Donc on va profiter du fait que le bout des ailes soit sec pour commencer à travailler du coup avec notre hackard flèche quelques petites textures de plumes. Hop. Alors. Avec la tranche de mon pinceau, je viens récupérer juste les arêtes. Je vais essayer d'éviter, parce que là, comme j'essaye de travailler vite et qu'on passe pas 20 minutes à attendre que le contraste sèche, j'essaye d'éviter le creux des plumes dans lequel le contraste n'a pas encore séché. Je me suis décalé et je viens récupérer juste les arêtes des plumes avec la tranche de mon pinceau.
Il y a Doudou Anki qui fait Bolt Action m'a donné plein d'idées pour finir mon tigre 1 au 1 dixième. Au 1 dixième? Ça va, il doit être balade. Il doit être balade. Il doit être balèze. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Ce que tu peux te balader dedans. Je crois que c'est celui que tu m'as envoyé en vidéo, télécommandé. Il m'en faut un. Parce qu'il fait quoi techniquement le chat en longueur? En vrai, il fait 6 mètres. Ouais, donc il fait 60 cm. Je pense que la vidéo que tu m'as envoyée était pas loin. En 1 dixième. Ça fait une voiture pour enfants, du coup. C'est une belle bête. Hein. Tu peux promener ton gamin en voiture télécommandée. Liendal qui faisait au ballon noir bleuté, ça contrasterait bien aussi. Ouais, j'avoue que si je devais le refaire, je le ferais en contraste noir bleuté. Mais bon, là, on va s'en contenter pour ce tuto. Ouais, j'aimais bien le cuir. Ouais, j'aime bien, mais c'est vrai que du coup. Il fait bien vintage et autres. Après, je pense que le socle, l'avantage du socle chez Bulbo, c'est qu'il va vraiment pouvoir contraster. D'ailleurs, Jean-Luc qui nous demandait juste socle pelouse ou astrogranite, tu nous montres. Pelouse. Mais non, je vais pas pouvoir vous montrer là en live parce que c'était pas prévu. L'idée là, c'était de s'attacher à la peinture et de vous laisser les socles. En grosso modo, pour moi, le socle, c'est vous en fonction de votre armée ou de votre Exactement. Équipe. Du coup, vous pouvez les faire un petit peu de différentes manières. On a Dim Dim qui avait fait un petit mini tuto, entre guillemets, lors du Dim Dim Show. Il avait juste mis, entre guillemets, hein, de la PVA, balancé quelques petits flocages verts de couleurs différentes, comme ceux qu'on a à la boutique. Et ça vous fait directement le tapis d'herbe nickel. Vous pouvez rajouter une petite bande blanche si jamais vous voulez contraster un peu. Ça marche super bien. Avec son saupoudreur, exactement. Une espèce de saupoudreur magique vieux d'il y a 40 ans. Un saupoudreur, il a ça notre Dim. Hop. Tac. On va faire quelques volumes. Donc là, je repasse un petit peu de Wildwood dans certains creux que je veux accentuer. Donner un peu de peps à certaines zones. Et Mastas qui nous fait, du coup, j'ai fait pareil avec un pot de sucre glace et ça marche trop bien. Mais... Ou des trucs pour épices. Pour saupoudrer l'herbe statique. Ouais. Ouais. Bah après, il y a le truc avec l'électricité statique là, que tu fais passer dedans qui plante les touffes d'herbe, mais ça, on n'a pas encore de fournisseur qui nous en propose en Europe. Là, c'est pour faire des kilomètres carrés aussi d'herbe. Hein. Ouais, même sur des socles, hein, ça marche bien. Hein. Je vais finir avec un petit peu de Bracebone, comme je l'ai fait tout à l'heure, en fait, pour faire ressortir quelques éclats. Quelques hashtag volumes. Dim Dim, les saupoudreurs. Hop. Avec le bout des plumes. Essayez vraiment de faire ressortir cet aspect majestueux des plumes qui s'élancent. Avec un petit éclairci. On a Telum47 qui fait, tiens, en parlant de vieux trucs, il parlait pas de toi, il parlait de saupoudreur. J'ai mis la main sur un white draft et trois chefs orc métal, je vais bien m'amuser. Ça c'est cool. Envoie-nous des petites photos. Je reprends légèrement la pointe des plumes en Bracebone pour les faire ressortir. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux côtés, les deux ailes. Celle qui a été reprise en Bracebone de ce côté-là et celle où on est encore sur le racarpe de ce côté-là. Alors la brillance du contraste qui n'a pas fini de sécher vous casse un peu le truc, mais ça commence à ressembler à des plumes. Un JL qui le fait, en même temps je suis pas fan de l'herbe statique, j'espérais une autre recette de jus pour la pelouse. Après si tu veux faire un terrain un peu plus, on va dire, herbacé, un peu plus vivace, tu peux utiliser directement les touffes, hein. Tu fais un ouais, socle un peu marron boueux avec pas mal de petites touffes, tu en prends des rases et tu en prends des 3 ou 6 mm, tu
fais un petit mix de verres différents. Franchement, t'as... je pensais les faire comme ça, moi, mais ça. Ouais, avec un peu les plus petites dégueulasse, touffes. Sachant qu'en plus, je vais mettre mes zombies dessus. Avec les petites touffes Gamer Grass, vous avez la gamme de touffes qu'ils appellent Moss, qui est très très rase, très très courte. Vous avez plein de couleurs de verre différents. Vous pouvez du coup varier entre du vert foncé, vert clair pour faire différentes zones. Si vous voulez quelque chose de réaliste, en fait, il faut varier les teintes de brun que vous allez avoir à l'intérieur. De brun, de vert, pardon, que vous allez avoir sur votre socle. Donc, pour ça, vous prenez une ou deux pochettes de couleurs différentes et vous les collez de manière un peu aléatoire les unes à côté des autres. Et ça va très très bien matcher. Avant, vous faites une petite texture marron pour le sol, un petit Valero ou un petit Games Workshop, et ça sera nickel. Qui remet ça? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Et encore, j'ai pas mis le son à fond, donc du coup, normalement, il est bien, bien plus haut. Ça part direct, mais je vais laisser quelques dB de sursis à vos oreilles. Voilà. Alors, dernière étape pour les plumes. Donc maintenant que j'ai fait les éclaircies dans le sens des plumes, je vais venir marquer quelques plumes ébouriffées avec des petits traits dans le sens perpendiculaire à la plume pour donner un peu de vie et d'accroche, de texture. Comme si la plume était un peu ébouriffée. Donc là, je reprends mon Vracebone et au lieu du coup de suivre, parce que vous voyez bien, au lieu de suivre la plume, je viens tracer des petits traits perpendiculaires à la plume. Et merci Stéphane pour le follow sur YouTube. Et salut à toi, Lord Shogun. En plus, il vient de nous mettre un petit message. Je viens vers la communauté des pousseurs Pitou pour ma Death Watch. Je cherche des épaulières de chapitre successeur créées par vous, afin de pouvoir avoir une armée hétéroclite à votre bon cœur. Lequel de chapitre? J'ai pas compris la question, moi. Oui. Parce qu'après, on peut créer des épaulières de chapitre en 3D et les imprimer. Mais... Doudou, non, quitte pour les photos, je l'ai mis où? Directement dans le réaction live et photos. T'as un petit rond rouge directement quand t'arrives. Sur Discord, ouais. Tac. Et de la même manière, avec un peu de Wildwood, on peut venir faire quelques traits perpendiculaires aussi pour... Après, pour tous ceux qui sont sur Discord, n'hésitez pas à aller sur l'onglet Bienvenue dès le départ et à cliquer sur les différentes icônes pour ouvrir en fait les différents channels, parce que du coup il y a des channels spéciaux pour Age of Sigmar, pour 40k, pour Necromunda, pour Blood Bowl, pour tous les autres jeux du Star Wars Légion, donc n'hésitez pas à activer ceux que vous souhaitez, parce que sinon vous ne pourrez pas tout voir directement. Ça c'est bête. Ah d'accord, tout c'est exactement ça, des épaulières aux couleurs de chapitre créées par des joueurs. D'accord, et en gros il veut récupérer toutes les tous les logos et insignes créés par les joueurs pour essayer à lui faire une Death Watch spéciale. Si tu veux, je t'enverrai l'épaulière de mes Sons of Raptor. Voilà, on a un aigle qui fait le job. Alors c'est pareil, on pourrait y passer des heures et continuer à peindre des ramiches de plumes dans tous les sens. Mais... Ne bouge pas, il est net. Tout ça pour qu'il se fasse écraser par un ogre au bout de 2 secondes. C'est ça, pour se faire manger comme un poulet. Et on va le coller du coup sur griffe. Et merci pour le follow, Winkinsta. Excuse-moi pour avoir mangé ton pseudo, j'ai tellement faim. My school French won't help me much. Ouais, mais je pense que je suis aussi fort que toi en anglais que moi en... que toi en français que moi en anglais. On n'est pas encore prêt pour l'international.
Avec plaisir pour les Sons of Queen Raptor. Ah, écoute, je vais le rajouter sur le Discord. Le col en a profité pour se boucher. J'espère que tu as du vert fluo pour les sépolia. Et là, on va rester comme ça le temps que ça sèche. À demain. Juste le temps que la colle prenne un petit peu. Je sens que ça va être compliqué. Pourquoi la tête veut se décoller aussi ? Allez, on laisse la colle prendre 2 secondes. Et on se retrouve avec un griffe. Alors là encore, l'aigle est un peu ton sur ton par rapport au doré. Mais j'ai voulu rester sur des... L'aigle vient de se barrer. On n'a pas un petit bout de col glu par ici? Alors, non, là, t'as deux classiques. En ouais. Là, je regarde, mais non, je crois pas non plus. Non. Comme je suis passé en mode peinture. Attendez, je vais attraper de la glu, ça tiendra mieux. Merci Novare pour le follow. Tu le colles sur la médaille, ouais, je pense. Sauf si j'en ai pas. Ouais, la médaille. Faladius qui nous fait, je viens de passer une commande de peinture, c'est chiant de tout ajouter un par un quand on n'a plus rien. Bah, alors, merci à toi. On se retrouve avec le problème. Il y a ceux qui veulent pas tout, et du coup, quand on fait un pack, et ben du coup, ils sont embêtés parce qu'il y a des couleurs qu'ils ont déjà dedans. Et il y a ceux comme toi qui veulent tout prendre et qui, du coup, ben, sont embêtés parce qu'ils doivent tout rajouter un par un. Donc, c'est un peu. On n'a pas trouvé de solution miracle entre les deux qui permettent, du coup, de satisfaire les deux parties. Donc, on a essayé les packs. Là, on essaye les un par un, et puis on jonglera en fonction de ce qui vous fait le plus plaisir. Sur la colle plastique, tu peux essayer la Cement, ma petite colle préférée, mais là, j'en ai pas sous la main. Je ne sais pas pourquoi, elle est pas dans mon pack. Elle colle quand même très rapidement. Et sinon, après, il te faut de la colle glu, mais sur laquelle tu vas mettre un petit coup d'accélérateur de séchage. Le problème, quand tu fais de l'accélérateur de séchage sur une figurine qui est déjà peinte, c'est que l'accélérateur fait blanchir la glu. Du coup, tu vas avoir pas mal de retouches à faire. Avec la pop-up, continuer les achats qui peuvent... Oui. Même avec la peinture, le cement, oui. Alors, faut pas en mettre beaucoup pour éviter du coup que ça dissolve ta peinture et qu'elle coule dans tous les creux. Mais si tu vises bien avec un petit pinceau précis, ça te permet de la mettre juste dans l'angle et de fixer ta figurine de manière assez efficace et rapide. Il tient ! Alors, on a un petit griffe Overworld qui, honnêtement, est un peu ton sur ton. L'aigle a quand même des couleurs qui sont vraiment proches de l'or, c'est un peu dommage. J'ai envie de le faire plus... Non, collé à la colle plastique, en fait, la médaille vient se coller le long du gantelet, donc il y a quand même un point de colle qui est assez important. Après, ça reste du plastique, donc ça, y a quand même une légère souplesse qui fait que même quand tu le touches, ça ne va pas se casser tout de suite. Non, non, c'est la médaille qui vient se coller sur le bord du gantelet. Tu regarderas. Alors là, ce que je pourrais faire avec les peintures que je vous ai sélectionnées pour le tuto, afin de détacher un peu l'aigle du reste... Non. Je vais utiliser le griffe chargeur grès, du coup, que j'avais tout à l'heure pour le tissu, que je vais fluidifier un petit peu, diluer un petit peu, et je vais l'utiliser en fait en glacis sur mon aigle pour du coup refroidir un peu les plumes.
et créer une petite différence entre l'or et le brun des plumes de l'aigle. Histoire de les détacher l'un de l'autre un petit peu. Il y a un mini painter qui fait mes oreilles saignent. Et oui, nous aussi. Je rappelle, Bas, que c'est toi qui as décidé de mettre ce son. Oui, mais au moins, on fait partager toute notre douleur auditive. Ça n'a pas de prix. Surtout quand c'est vous qui le lancez. Tac. Donc là, tu rajoutes un petit lavis bleu, c'est ça? Ouais, je rajoute un petit griffe charger grey pour refroidir un peu les teintes de l'aigle qui sont un peu trop ton sur ton avec le doré, ce qui fait que ça se détache pas bien. Ouh, on a les tabletop nuts qui viennent de débarquer. Salut les copains! Qui es-tu des deux nuts? Quelle noisette es-tu? Bah, plus ça va, plus j'aime ce son d'alerte en fait. Juste pour vous voir sursauter. Le plus beau. Ça ne nous aide pas. Axel, alors. Le son de notre cher Didim est tiré de quel anime? On vous laisse faire la recherche. Voilà, juste là, on voit le ton un petit peu bleuté qui permet du coup de détacher les ailes des dorures, des ailes dorées du casque. Ben voilà, il est fini ce petit griffe Overworld. Ouais, ça pique les oreilles, hein. Ça pique les oreilles. T'inquiète pas, t'auras Dim en direct, il le chantonnera en même temps, il criera. T'inquiète pas. 50 nuances de griffe chargeur gris. Bah que c'est beau. Le son ou la peinture? Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal sur un petit Griff Overworld. Notre star player tout bling bling et de doré vêtu. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites astuces de peinture avec. Et puis bah voilà, hein, comme d'habitude. On like, on souscrit, on fait tout ce qu'il y a à faire, on va chercher les petits produits qui vont bien sur le site. Donc je vous rappelle que sur le Twitch, on a fait des tonnes de listes de toutes les peintures que j'ai utilisées pendant ce live, que vous allez pouvoir retrouver. Et qu'on a aussi testé durant ce live les nouveaux pinceaux qu'on a reçus de chez Green Stuff World, donc la série Silver et la série Gold, qui du coup sont validées. Elles sont cool, allez-y, c'est pas mal. Si vous n'avez plus de pinceaux, profitez-en. C'est quand le Dim Dim Show? Le Dim Dim Show, c'est le vendredi maintenant. Le vendredi soir. On va voir avec lui justement en fonction c'est de ça. Son... Ouais. Oui, faut qu'on check. Faut qu'on regarde avec son emploi du temps parce que c'est une star. Il est très très demandé. Alors juste le temps de trouver quelqu'un à aider. Je te laisse lire les derniers messages. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est parti. Allez-y pour vos questions peinture ou pas d'ailleurs. Allez-y pour vos questions. Merci Jules et Bastien de votre expertise qui nous soutient pendant le confinement. Bah écoute, c'est avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à profiter aussi du Discord pour les poser. Ça peut nous donner des petites idées pour les futurs tutos, les futures choses qu'on peut vous expliquer. Jean-Louis qui nous dit « Bast, prépare-toi, il va téléphoner ». Eh ben, nous, on va aller manger avant, donc on ne répondra pas pendant qu'on a la bouche pleine. Et oui, nous avons réouvert la boutique. Nous sommes ouverts du coup sur les horaires classiques précédant le confinement. Donc on ouvre le mardi à partir de 13h et jusqu'au samedi. Par contre, nous ne faisons pas les soirées jeux. Donc c'est les horaires, c'est 10h, 12h et 13h, 19h et le samedi en non-stop. C'est une sorte de colle plastique qui fonctionne bien sur les surfaces peintes, c'est ça? Non, le cement, en fait, c'est une colle plastique ultra liquide, très très fluide, qui vient du coup, par capillarité, se glisser entre deux pièces plastiques pour les souder. C'est la même chose qu'une colle plastique, sauf qu'elle est ultra fine. Et du coup, elle marchera très très bien sur une surface peinte, hein, au même titre que la colle plastique classique. Ce qui va changer, c'est que, comme elle est très fluide,
elle fige instantanément, donc ça colle plus vite que la colle plastique classique. Est-ce qu'Axel est là? Oui, mais il va manger avec nous. Eh oui. On va manger tous ensemble. Parce que j'espère que ça vous a plu. J'ai lancé le raid, donc n'hésitez pas à rester bien tous connectés. On va du coup chez Color Realm. Enfin, j'ai réussi à le. Ça y est, tu as réussi à raider Color Realm. Mettez un max de petits emojis dans tous les sens. D'ailleurs, on n'en voit plus trop, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Les équipes vont être rééditées pour Blood Bowl, oui, elles l'ont été en grande partie déjà. La plupart sont de nouveau disponibles et s'il y a déjà des ruptures, elles seront refabriquées au fur et à mesure. Et on a aussi de nouvelles équipes certainement qui vont poindre le bout de leur nez. Voilà. Ah bah écoutez, si ça vous plaît la peinture Blood Bowl, on en refera d'autres parce que c'était cool, cette figurine était bien chouette. Moi, je l'ai bien kiffée. Pareil, on va vous faire des jolies photos et qu'on vous mettra sur le Discord. On a tout ? On a tout, je crois. Allez. On est bon. Et allez, bah, passez une bonne après-midi. Allez, bisous bon à tout le monde, à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.